Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Toxor les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la dernière vidéo de l'année. Nous sommes, quand je tourne, le 31 janvier 2015. J'espère que vous avez passé une bonne année malgré, c'est vrai, pas mal de faits divers très mauvais cette année, hein, on va bien se le dire. C'était pas forcément une belle année. On termine encore mal cette année avec le décès d'un très grand chanteur, le chanteur du groupe de Motorhead, pour ceux qui connaissent. Donc, année 2015, pas vraiment génial sur le point de vue fait divers. Mais heureusement, très bonne année vidéoludique. Et on va donc terminer avec cette année avec Rainbow Six Siege, avec la 8e vidéo. Et la huitième situation, source en danger. C'est une exfiltration d'otages que je vais réaliser en mode difficile. Si je vois que j'ai vraiment du mal, je le ferai en mode normal. C'est pas mal compliqué quand même, l'exfiltration d'otages. En raison de la lourde fortification de la zone, nous avons peu d'informations. Faites une reconnaissance du site pour trouver un point d'entrée. Localisez l'otage et planifiez votre itinéraire. Thermite est équipé du Brimstone, une charge exothermique qui peut couper le métal et vous permettre ainsi de passer à travers des murs et des sols renforcés. Alors, on a Thermite. Ça c'est bien, ça c'est un personnage que j'aime bien. On va voir déjà où se trouve l'otage, hein, parce que c'est le B.A.B.A., hein, si je puis dire. On a quelques secondes, on a 1 minute à trouver l'otage, hein, ce qui est relativement court. A priori, il sera à l'étage, si la cinématique est correcte. C'est bon, j'ai l'otage. Je crois pas qu'il y ait de moyen d'entrer par contre par les fenêtres. Elles sont toutes blindées. Faudra donc aller à l'étage. On passera par l'étage. Je pense. Ouais, on ira direct à l'étage. 5 secondes avant insertion. Par contre, j'espère que. Est-ce que je peux peut-être. Non. Ok. On va passer donc par le toit. J'entends un kamikaze en hein, plus respirer. Ok, il est déjà là. Il était déjà le kamikaze. Ah, j'étais flashé. Je monte sur le toit. Je crois que je suis sur le toit, je suis pas sûr là. Ouais, c'est bon. J'ai été flashé, les amis. Méchamment flashé. C'était pas très prudent de faire ça, dis donc. Je sais pas où il est. Je sais pas où il est. C'est bon. Est-ce qu'il était tout seul ou est-ce qu'il était plusieurs? Telle est la question que je me pose. Est-ce que c'est haut après là? Je me demande si on peut. On pourra peut-être pas remonter avec l'otage par contre, ça c'est un peu triste. Quand même tant d'accent. Ah, 27% de vie, ça va être très 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 tendu là, je pense.
Ça va être dur. Petite grenade là. Donc, ce que je peux peut-être faire, c'est me faire un passage ici. Une fois que j'aurai pris l'otage. Voir où ça mène. Ok, ça mène nulle part. C'est cool. Peut-être que si je monte avec l'otage par ici et qu'on arrive à cette fenêtre là, on peut peut-être se barrer. Mais avec 27% de vie, je donne pas bien cher de ma peau. Ah, je me suis fait... Ah, ok, d'accord. Nous avons été éliminés. Ok, j'accepte la défaite. En fait, je voulais monter sur le toit dans un premier temps pour déjà faire une... Oh, l'otage qui tombe aussi. Oh là, c'est dramatique. On a perdu l'otage. Je voulais vraiment monter sur le toit pour déjà faire une petite... comment dire... Un petit repérage de la zone. Dans le sens où comme ça, je peux tuer un maximum d'ennemis directement. Depuis le toit, je peux tuer pas mal de gens comme ça. Et c'est dommage, là je me suis peut-être mal pris. Donc, je sais où est l'otage, je vais me faire détruire le drone tout de suite. Hein. C'est quoi ça? Ils savent aussi bien tirer que moi, je crois. Il faut qu'on localise l'otage. Ouais, c'est parti, on va y aller, on va trouver l'otage, ne inquiétez pas. Il y avait un kamikaster là. Kamikaze qui prennent uniquement les balles dans la tête. Hein. Avec King's Fusion, on joue pas mal en chasse aux terroristes. Et très souvent, on leur tire des bastos et tout aux terroristes et ils meurent pas. Faut vraiment leur tirer des balles dans la tête. Hein. Sinon, ils prennent pas. Ok, d'accord, je me suis fait flasher, c'est cool. Je sais jamais s'il y en a d'autres ou pas là, il y en a qu'un je crois, cette pièce. L'autre il doit être là-bas. S'il y en a un autre il doit être là-bas. Ok, il n'y a rien. Ce qui est dommage c'est qu'on peut pas remonter par là, franchement ça c'est très con. J'ai lancé une grenade sur l'otage, je crois. Il est chaud l'otage. Ça rigole up hein. J'ai plus que 36% de vie. Attends, mais c'est incroyable, je me suis fait toucher quand? Attends, je vais mourir. J'aime pas où il est. Je sais qu'il y en a un, mais je sais pas vous le dire.
Ok, il me reste plus que 12 points de vie. C'est foutu. Là c'est foutu les amis là. J'aimais la vie. Elle était belle. Avec 12 points de vie, ça va pas le faire. On me tire dessus, mais je sais même pas d'où ça vient. On me tirait dessus, je ne sais pas. Ah non, ça c'est vilain, ça. Ça c'est vilain, très vilain, ça. Vous avez vu tout ce qui était en bas? Donc, voilà, c'est un peu le problème que j'ai avec ce jeu. C'est que tout seul, en mode difficile, moi personnellement, je n'y arrive pas. Enfin, surtout dans les... Plus ça monte en difficulté, vous avez pu constater que je n'y arrive pas. Hein, donc, je vais pas me prendre la tête. Surtout aujourd'hui, je vais mettre en mode normal, j'ai envie de vraiment passer un agréable moment et ne pas me prendre la tête, vraiment pas. Fortification de la zone, nous avons peu d'informations. Faites une reconnaissance du site pour trouver un point d'entrée. Ça on connaît, de toute façon, c'est les bails. Et planifiez votre itinéraire. Thermite est équipé du brimstone. J'aime pas arriver par le haut. Je vais pas arriver par le haut cette fois-ci, je crois. Je vais arriver par le bas. J'aime pas trop arriver par le haut. Je me sens pas vulnérable, mais j'ai pas l'appréhension en fait de tirer sur les gens en bas. J'aime pas. Je le maîtrise pas. Allez, tuez-moi s'il vous plaît, les gars. Boum. Eh ben dis donc, mec, il a mis je sais pas combien de balles pour niquer le drone. Alors que normalement, il en faut très peu de balles. Hein. Pour détruire un drone, une balle, ça suffit. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un kamikaze par là. On va essayer de se le refaire. Batterie faible. J'ai changé les batteries il y a 1h30, même pas. C'est vraiment du foutage de gueule, je trouve. La batterie de la manette Xbox, elle tient pas. Hein. Vraiment, elle tient pas. J'espère que ça sera assez pour la mission. Bon, ce qui est bien, c'est que l'ennemi, finalement, il change pas vraiment d'endroit. Encore faut-il se rappeler où il est. En fait, les grenades, elles sont pas très fortes hein, contre les ennemis. Hein. Alors, sauf lui qui s'est fait exploser méchamment, mais bon. Je connais mieux quand même niveau grenade. Je vais péter ici. Voilà, ça c'est fait. Oh là, oh, j'ai fait un trou dans le... Mais il est où? J'ai fait un trou dans le... Visuel, il faut s'emparer de l'otage. Ça, j'aime pas qu'on me prend dans le dos comme ça, espèce de pingre. Hashtag pingre d'ailleurs, le mot magique de la vidéo, le hashtag magique même. C'est fini les mots magiques, hein. C'est des hashtags maintenant. Hashtag magique pingre.
Franchement, si vous mettez pas un grand commentaire, vous êtes très très fort. Hein. Là, je vous le cache pas, les amis, là, vous êtes. Procédez à l'extraction. Vous êtes très fort. Assurez la sécurité de l'otage. Ennemi en approche. Je sais pas si c'est très bien de faire ça. Otage en liberté, emparez-vous-en. Je sais pas s'il y en a d'autres, honnêtement. Je dirais que ça arrive à l'infini. Et je pense pas que j'aurais très tort de dire ça. Je crois que c'est bien le cas, je crois que ça arrive à l'infini. Oh, je me fais bombarder là. Je sais même pas où il est le truc, le site qui me tire dessus là, depuis tout à l'heure. Ok, on me tire dessus dans le dos maintenant. C'est de mieux en mieux. Je m'occupe de l'otage. Otage sécurisé. Suivez-moi. Déplacement vers point d'extraction. Suivez-moi, vite. Et là, je me prends une balle dans le dos. Ce serait la fin d'Erico. Allez, c'est terminé. Et voilà. Eh ben dis donc. Je suis pas fan. Hein. Je suis pas fan de ce genre de mission, vous le savez. Moi, j'aime bien que les chasses au terreau. Je suis pas trop fan de bombes, de protection, etc. J'aime pas du tout ça. Je suis pas un excellent fan de ce type de mission. Mais on a quand même terminé. Et ça fait quand même plutôt plaisir. Voilà, vidéo assez courte pour terminer cette année 2015. On se retrouve, les amis, en 2016. Pour encore, toujours, plus de vidéos, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite également de passer un bon réveillon pour cette nouvelle année. Ne buvez pas trop d'alcool, hein, c'est très mauvais pour la santé et attention, c'est dangereux. Et je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve en 2016. Bye bye tout le monde, ciao.